Donc, j'ai environ 1 heure pour vous présenter l'historique de Koa. Je vais, pendant cette heure, reprendre toute l'histoire de Koa depuis les origines. Donc, comme le disait tout à l'heure, je suis arrivé sur le projet Koa à la fin de l'année 2001, donc presque au début. Je fais partie des vieux sages autour de Koa. Alors, je ne me sens pas vieux, je ne me sens pas toujours très sage, mais il paraît que je passe pour un vieux sage. Donc, je vais essayer de faire le vieux sage. Donc, je suis français, je suis impliqué dans Koa depuis 2002. J'ai donc été, comme ça a été dit tout à l'heure, release manager des versions 2, 2.2, 3.8, 3.10. Et j'ai créé en 2007 BibLibre, une société spécialisée dans les logiciels libres en bibliothèque. Ma petite page de pub sur BibLibre, et après on n'en parle plus. Donc, pour vous donner un peu une idée de ce que c'est aujourd'hui que BibLibre, c'est 17 collaborateurs dans la société, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a plus de. Alors, en fait, 100, je devrais mettre 150 maintenant, parce que ces diapos, je les recopie un peu d'une intervention à l'autre. Et en fait, maintenant, on a quasiment 150 clients qui représentent plus de 700, 800 bibliothèques. On n'a jamais compté exactement. Essentiellement en France, mais on se développe aussi à l'international, surtout en Europe. Donc, on a des clients en Grèce, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, pas encore en Espagne. On travaille avec des bibliothèques de tout type et de toute taille. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard pour expliquer que Koa est utilisé dans vraiment tous les genres de bibliothèques et toutes les tailles de bibliothèques. Et nous, notre stratégie, elle est claire et elle est simple. Nous ne faisons que du logiciel libre et nous ne travaillons que avec des bibliothèques. Donc, on est vraiment très très spécialisé, très très pointu, juste sur ce domaine qu'on a choisi. Et notre approche est vraiment une approche de choisir un outil et de nous impliquer dans la communauté autour de cet outil. Bon, Koa, évidemment, avec l'histoire, etc. Mais on est aussi impliqué dans d'autres outils. Bokeh, qui est un logiciel de portail de bibliothèque. Si on compare Bokeh à quelque chose de connu, peut-être vous connaissez Drupal ou Joomla ou des outils comme ça. Bokeh, c'est un portail vraiment destiné aux bibliothèques, qui ne fait pas certaines choses que font Drupal et Joomla, mais qui par contre, pour les bibliothèques, fait certaines choses que ne savent pas faire Drupal ou Joomla en termes d'accès à des ressources numériques, d'accès à des contenus enrichis, dédiés aux bibliothèques, etc., etc. On est aussi impliqué dans la communauté Coral. Coral, j'y reviendrai à la toute fin de ma présentation, c'est un logiciel qui permet de gérer les abonnements aux ressources électroniques dans les bibliothèques. Ça concerne surtout les bibliothèques académiques. Et on est aussi impliqué dans le projet Omeka, qui est un logiciel de bibliothèque numérique, et dans le logiciel Piwik, qui est un équivalent libre de Google Analytics. Voilà. On passe maintenant à Koa, et on ne parle plus de BibLibre. Peut-être que de moment, je dirai un petit mot comme ça, mais a priori, on va vraiment parler de Koa maintenant. La genèse de Koa, c'est comme beaucoup de logiciels libres, il démarre parce qu'il y a un problème à résoudre et que la personne qui a envie de résoudre le problème, eh ben, elle se dit, il faut que je développe quelque chose. En l'occurrence, le projet Koa a démarré en Nouvelle-Zélande. La petite carte en bas à droite, c'est une carte de la Nouvelle-Zélande, c'est à l'autre bout du monde, exactement à l'autre bout du monde. 4 petites bibliothèques dans un comté qui s'appelle HLT, Hohenuena Library Trust, qui est dans l'île du Nord, à peu près au milieu, là où on voit la tache un peu orange, là, sur la. Est-ce que j'ai un pointeur avec ça? Alors, il faut appuyer sur quoi pour avoir le pointeur? Voilà, à peu près, c'est à peu près par là, HLT. Qui avaient un problème de passage à l'an 2000. Leur logiciel, à ce moment-là, ne passait pas l'an 2000 et ils avaient des coûts de communication par Internet qui étaient très sensibles et les propositions qu'on leur faisait pour changer de logiciel revenaient à multiplier par 4 ou 5 le prix de leurs abonnements à Internet et les lignes Internet dont ils avaient besoin. Du coup, ils se disaient, c'est pas possible de faire comme ça. Donc, eh ben, on va développer un outil avec ces deux contraintes. On veut développer quelque chose en 3 mois qui réponde à notre petite problématique de bibliothèque rurale. Parce que moi, j'ai eu la chance d'y aller là-bas, c'est vraiment rural.
C'est trois communes considérées comme moyennes, mais une commune moyenne en Nouvelle-Zélande, c'est 5 000 habitants, c'est déjà gros, quoi. Parce que en dehors de Auckland et Wellington, tout le reste de la Nouvelle-Zélande, c'est vide, hein. Il n'y a que des petites communes. Donc voilà, leur objectif, développer un logiciel en 3 mois qui réponde à la problématique de ça ne nous coûte pas trop cher et ça fait le boulot qu'on a besoin de faire en termes de catalogage, de prêter des documents et de suivre nos usagers. Et ils sont passés effectivement en production le 2 janvier 2000. Donc ce que dit souvent Chris Cormack, qui est le vrai père fondateur de Koa, qui est toujours impliqué dans le projet aujourd'hui, c'est que lui, il a pas du tout passé l'an 2000 à faire la fête, il a passé l'an 2000 à corriger des bugs. Et du coup, ça fait 15 ans qu'il continue à corriger des bugs et à développer l'outil. Une fois que le produit est passé en production dans cette bibliothèque, la bibliothèque, donc HLT, et la société qui l'avait développée, qui s'appelle Katipo, se sont dit, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont eu une idée qui, selon moi, est une idée géniale, qui était de dire, nous, Katipo, on est une petite société, on fait plutôt du webmastering, de l'hébergement de sites web, etc. On n'a pas vocation à devenir un gros prestataire de logiciels de bibliothèque. Vous, HLT, vous êtes une petite structure rurale de la Nouvelle-Zélande, pays au fin fond du monde. La bonne option, c'est de mettre ce logiciel sous une licence libre, de le mettre disponible sur Internet. Et puis vous allez voir, enfin, on va voir, on va espérer qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent au logiciel et que du coup le logiciel se mette à évoluer, se mette à grossir. Nous, on bénéficiera des nouveautés, ça va évoluer, ça va vivre et ça va être bien. Et donc, ils ont décidé de placer le logiciel sous une licence libre qui s'appelle la licence GNU-GPL. Est-ce que j'ai besoin? Est-ce qu'il y a des gens pour qui il faut que j'explique ce que c'est que la licence GPL? N'ayez pas honte, hein, si vous ne savez pas. Non, c'est bon, tout le monde sait? Ouais, quelques mains quand même, timidement se lèvent. Les licences. Alors, j'insiste souvent sur le fait qu'un logiciel libre n'est pas un logiciel sans licence. C'est une erreur que font certains parfois. Un logiciel libre a une licence d'utilisation. Simplement, cette licence d'utilisation va très à l'encontre des licences dites propriétaires, où on vous dit en gros, vous ne faites rien, sauf ce que vous avez acheté pour avoir le droit de faire. La licence GPL et les autres licences libres, il y en a plusieurs, mais c'est la plus utilisée, la plus connue, c'est la GPL. Elle dit, vous êtes libre d'utiliser le logiciel. Vous êtes libre de le modifier pour l'adapter à vos besoins et vous êtes libre de redistribuer à tout le monde les modifications que vous avez faites. La licence GPL rajoute une quatrième chose qui est une obligation, qui est si vous redistribuez, vous êtes obligé de redistribuer avec les mêmes droits que ceux dont vous avez hérité. D'accord? Donc, si moi je fais une nouvelle version, je fais des améliorations d'un logiciel et que je les donne à un client, je suis obligé par la licence de donner les mêmes droits à mon client que ceux que moi j'ai eus. Et voilà, ces trois libertés, c'est toutes les licences. Enfin, pour qu'une licence soit dite licence libre, il faut qu'on ait ces trois libertés-là. Liberté d'utiliser, liberté de modifier et liberté de redistribuer ces modifications. Donc en 2000, lorsque les gens de Nouvelle-Zélande ont publié le logiciel, ils se sont dit, ben voilà, on va espérer que le logiciel continue d'évoluer. Bon, ils avaient besoin quand même de corriger quelques bugs, de faire quelques petites améliorations. Et en septembre de l'an 2000, ils ont publié officiellement sur Internet la première version de ce logiciel qui a été disponible sur le web. Donc ils ont fait un site web, donc www.koa.org. J'ai retrouvé une copie d'écran de la première version. Ça fait vraiment, ça me rajeunit de 15 ans cette affaire. Le projet a été créé donc sur SourceForge. SourceForge, pour ceux qui connaissent pas, c'est site qui héberge toujours des centaines de milliers de projets libres. D'accord? On peut sur SourceForge, une fois qu'on a créé son projet et qu'on a dit quelle était la licence de son projet,
On va aller déposer le code de l'application, on va pouvoir le faire évoluer et les gens vont pouvoir suivre quelles sont les modifications. On aura accès, alors à l'époque ça n'existait pas, mais maintenant ça existe, on aura accès à un wiki, on aura accès à des listes de discussion, etc. etc. Et donc c'est à la fin de l'année 2000 que les gens de Katipo ont publié sur Koa.org, sur SourceForge, ce premier projet, enfin, cette première version du projet. Et ils ont aussi mis en place les premiers outils. Ça, j'attire toujours l'attention sur le fait que publier un projet sur SourceForge, c'est facile, mais si on ne l'accompagne pas en donnant des outils qui permettent aux gens de s'y intéresser, etc., le projet, il y a peu de chances que la mayonnaise prenne. Et il est peu. Voilà. Un des facteurs de succès d'un logiciel libre, c'est le fait qu'on met à disposition des outils pour que les gens qui veulent s'intéresser puissent participer, puissent contribuer, puissent s'impliquer, puissent rentrer dans le truc. Après, on est rentré dans une phase qui a duré à peu près 3 à 4 ans, 4 ans de la fin, enfin de le début de l'année 2001 jusqu'au début de l'année 2005 à peu près. Phase au cours de laquelle il y a eu la mayonnaise a pris. Je ne sais pas comment on traduit ça en espagnol, c'est une expression qui me paraît assez française. mais la mayonnaise a pris, c'est-à-dire une alchimie un peu mystérieuse qui a fait qu'il y a eu un certain nombre de gens qui sont arrivés sur le projet. Donc, au début de l'année 2001, il y a eu le premier développeur qui était néo-zélandais, mais qui était en dehors de Katipo, qui a rajouté un petit bout de quelque chose. Le premier développeur non néo-zélandais, c'était un Polonais, et le deuxième, c'était moi. Je n'étais pas le premier, mais j'étais le deuxième. Donc après, il y a des développeurs non néo-zélandais et non anglophones surtout, qui sont arrivés sur le projet, qui ont commencé à s'impliquer dans le projet, qui ont commencé à installer le logiciel ailleurs que dans cette petite bibliothèque de Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au projet Koa pour répondre à une demande d'une bibliothèque d'une amie qui est religieuse et qui voulait installer un logiciel de gestion de bibliothèque dans son abbaye parce qu'ils avaient 40 000 livres et elle me disait « Moi, j'ai 40 000 livres, j'ai une formation de bibliothécaire et on me demande de m'occuper de cette bibliothèque et je voudrais bien un logiciel, mais j'ai pas de sous. Donc, est-ce que toi, tu connais quelque chose ?» Et du coup, j'ai trouvé Koa et c'est comme ça que moi, je me suis intéressé à Koa. Au début, c'était un peu le hasard, et puis j'en ai fait mon métier depuis 15 ans. Donc, une des premières bibliothèques qui a utilisé Koa en dehors des pays anglophones, c'était une bibliothèque religieuse, à l'abbaye des Dombes, du côté de Lyon, en France. Ça, je dis ça parce qu'un des arguments qu'on dit régulièrement, c'est « oui, mais un outil comme Koa, c'est technique, c'est compliqué ». Ben, si c'était compliqué technique, ce ne serait pas une bibliothèque avec une religieuse qui aurait été la première à l'utiliser. D'accord, il y avait moi qui ai fait la partie technique, mais après, au quotidien, à l'usage, ça marche tout seul, en fait. Donc, en 2002, donc à ce moment-là, c'est le moment où j'ai commencé à m'impliquer dans le projet, on a publié une version qui s'appelait la version 1.2, qui... alors là vous avez une copie d'écran du Koa 1.2, donc je ne sais pas si vous voyez bien, là c'est recherche dans le catalogue, là c'est recherche avancée, là c'est recherche d'un usager, là c'est le module acquisition, là c'est le module finance et statistiques, très très peu de choses là-dedans, ça c'est la gestion des paramètres, et ça c'est la circulation. Donc la version 1.2 par rapport à la version 1, ajoutez ça. Et ça, les paramètres, c'était nouveau, et la gestion de quelques rapports statistiques et rapports de suivi financier, ça, c'était nouveau dans la version 1.2. La version 1.0 contenait la circulation, les acquisitions, la gestion des usagers et la gestion du catalogue et du catalogage. Lorsque la version 1.2 a été publiée, on s'est dit, il faut mettre en chantier une nouvelle version. Quels sont les problèmes que pose aujourd'hui la version 1.2? Alors là, à ce moment-là, moi, j'étais déjà pleinement impliqué dans le logiciel. Et un des problèmes, les deux problèmes majeurs qu'il y avait dans Koa à l'époque, c'était la première chose, c'était que le logiciel n'avait pas du tout été prévu pour être traduit. Je vous rappelle, au début, ils ont dit « on fait un truc en 3 mois pour HLT ». Donc ils ne se sont pas posé la question de se dire...
en dehors de notre pays, il y a des gens qui ne parlent pas anglais et ils aimeraient peut-être bien avoir le logiciel dans une autre langue. Donc, on ne pouvait pas traduire le logiciel. Donc, une des choses extrêmement prioritaires qu'il fallait faire, c'était se donner les moyens que le logiciel puisse être traduit dans différentes langues. Le deuxième problème, c'était que HLT, c'est une bibliothèque de lecture publique et que le standard Mark, ils s'en foutent. Donc, eux, ils voulaient un titre, un auteur, des sujets, enfin, un titre, des auteurs, des sujets, trois, quatre, enfin, un éditeur, une date d'édition, enfin, voilà, trois, quatre. Ils avaient une quinzaine de champs et ça leur suffisait largement. Pour pouvoir déployer Koa plus largement que dans des petites structures comme celle-là, ben, il fallait gérer le standard Mark. Koa est probablement le seul logiciel, ou en tout cas un des rares logiciels, pour lesquels le support du Mark a été conçu dès le début pour supporter aussi bien Unimark que Mark 21. Pour une raison principale, c'est que c'est moi qui l'ai développé, et que moi je suis français, et qu'en France, 95% des bibliothèques sont en Unimark. Donc moi j'avais un intérêt à développer l'Unimark. En même temps, en discutant avec les collègues, les premiers Américains qui s'intéressaient à Koa, les premiers Anglais qui s'intéressaient à Koa, eux disaient « Ah, mais moi, je veux Mark 21 !» Donc, ben, du coup, c'était clair qu'il fallait faire un développement qui soit à la fois Unimark et Mark 21. Donc, je ne sais pas, en Espagne, vous utilisez pas mal Unimark. Hein? Mark 21 plutôt, quand même? D'accord. Donc, en fait, Unimark, c'est vraiment français, italien, un peu Grèce, et puis c'est à peu près tout, quoi. Mais bon, nous, les Français, on est des gens importants, alors il faut qu'on supporte ça. Et donc, on a mis en chantier la version 2 qui a abouti. Je dis un peu plus tard. Voilà. Qui a abouti après un travail important, puisque c'était quand même un gros travail d'introduire le fait qu'on puisse traduire le logiciel. Il fallait modifier beaucoup de choses dans le code de l'application et surtout prévoir des outils pour faire la traduction. À ce moment-là, il s'est trouvé que, comme le logiciel commençait à être un peu, enfin, à intéresser pas mal de gens, on s'est dit, mais il faut qu'on ait une structure. Et pour qu'on ait une structure, on est des gens qui travaillent un peu dans les quatre coins du monde, en Nouvelle-Zélande, en France, aux États-Unis. En gros, il y a toujours quelqu'un qui dort, il y a toujours quelqu'un qui est debout. Mais comment on fait si quelqu'un arrive et puis dit, ah, moi je m'intéresse à Koa, j'ai une question qui peut répondre à ma question, je voudrais faire ceci, qui peut m'aider, etc. Donc on s'est dit, il faut qu'on élise des gens qui soient un peu des représentants du projet vis-à-vis du monde extérieur. Donc la première équipe qui a été élue, alors en général, et puis la dernière élection qui a eu lieu là, il y a 3 semaines, n'a pas, c'est comme les autres, tous les dictateurs africains nous envient. Parce que en général, il n'y a toujours qu'un candidat pour une position, et donc il a toujours 100% des votes. Mais on fait quand même un vote. Je crois qu'il y a eu une fois où il y a eu une position où il y avait deux candidats. Sinon, en général, le premier qui met son nom sur une position, tout le monde est tellement content d'avoir que quelqu'un se propose que il n'y a pas de dispute pour une élection, pour les différentes responsabilités. Donc la première équipe, c'était Pate Haler, qui était Kaitiaki, qui a une responsabilité un peu de coordinateur, de gardien, en maori, qui est la langue des Néo-Zélandais. Kaitiaki, ça veut dire gardien. C'est un peu le sage, le gardien, le sage. D'accord? Moi, j'ai été élu comme release manager. Donc, le release manager, c'est un rôle qui est très important, qu'on a toujours aujourd'hui. Kaitiaki, on ne l'a plus aujourd'hui. Mais release manager, on l'a toujours. C'est celui qui est responsable du développement de la prochaine version. Un projet comme Koa, on a toujours des versions qui sont dites des versions stables du produit, et vous avez une version 3.14, 3.20 du logiciel, qui sont des versions stables, qui sont maintenues par le release maintainer. D'accord? Donc c'était Chris qui était release maintainer de la version 1.2. Et le release manager, c'est celui qui est chargé de penser à la prochaine version, de valider, d'intégrer toutes les propositions qui sont faites de nouvelles fonctionnalités dans le logiciel. Et donc c'est un rôle qui est très très critique. Jusqu'à maintenant, on a toujours eu, pour toutes les versions, un candidat pour être release manager.
sachant que c'est un énorme boulot, c'est un boulot au moins à mi-temps, et probablement même en fait à plein temps, disons un mi-temps de quelqu'un qui ne fait pas 35 heures par semaine, on va dire. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'il y a toujours eu un candidat pour être release manager. Il y a toujours eu une personne qui s'est dit, allez, cette fois-ci, c'est mon tour, j'y vais. Dans l'équipe, on a aussi, hop, il est là. Dans l'équipe, on a aussi un QA manager. QA, c'est Quality Assurance, c'est contrôle qualité. C'est une personne qui est chargée de vérifier que ce qui est intégré dans le logiciel ne va pas dégrader la qualité du code du logiciel. Parce que sur du long terme, si on laisse rentrer n'importe quoi dans le logiciel en termes de code, même si fonctionnellement ça marche, si on laisse rentrer n'importe quoi, au bout de quelques années, on va avoir un code qui devient immaintenable. Donc on ne peut plus maintenir l'application. Vous verrez, je ne sais plus si j'ai laissé la diapo, mais on est à plus de 270 contributeurs différents du logiciel. Donc vous imaginez bien que si on n'a pas un certain nombre de personnes qui contrôlent que ce qui est proposé respecte nos règles, respecte les habitudes qu'on a, etc., et ben 270 personnes qui travaillent ensemble, chacune à sa manière, ça devient vite un total bazar. Et en fait, au bout d'un moment, ça marche plus. Et on a eu aussi un documentation manager, donc la personne qui était responsable de gérer la documentation de l'application au fur et à mesure des nouveautés. Le 25 mars 2004, on a donc publié la version 2.0 de Koa et puis la version 2.2 à la fin de l'année 2004. Donc il y a eu juste quelques mois entre la version 2.0 et la version 2.2, qui a porté les grandes fonctionnalités suivantes. Donc, comme prévu, le support du MARC aussi bien pour les notices bibliographiques que pour les notices d'autorité. La 2.0, il n'y avait que le MARC Biblio, et la 2.2, c'était les autorités en plus. Qui a porté le premier module de gestion des périodiques, qui était un petit début. Donc, gestion des abonnements avec les modèles de numérotation, etc., etc. Qui a porté un OPAC avec les premières fonctionnalités avancées, où les lecteurs pouvaient mettre des commentaires, où les lecteurs pouvaient s'identifier, et puis faire des réservations, des choses comme ça, etc. Et puis, c'est là qu'on a vu apparaître des premiers outils un peu périphériques, mais très importants pour les bibliothécaires, et puis pour l'adoption du logiciel, par exemple. C'est là qu'on a eu le premier script qui permettait de migrer un fichier ISO 27.09, donc un fichier MARC, dans Koa. Ce script était une base que les bibliothèques qui voulaient adopter Koa pouvaient utiliser pour après adapter à leurs besoins et migrer comme elles en avaient envie. Donc après la publication de la version 2.2, il commençait à y avoir de plus en plus de gens qui s'intéressaient. Après la publication de la version 2.2, commençait à y avoir pas mal de gens qui s'intéressaient à Koa. Moi, en fait, à partir de la fin de l'année 2002, j'en ai fait mon travail à plein temps. Je n'avais pas créé une société encore, mais je faisais ça à plein temps en tant que consultant pour des bibliothèques. Et on voyait bien en France qu'il y avait, et pas qu'en France, mais là je parle de mon expérience, je voyais bien en France qu'il y avait un vrai intérêt pour Koa. Et donc, il commençait à y avoir des bibliothèques importantes qui s'intéressaient à Koa. Par exemple, l'École des mines de Paris, à Paris, qui s'appelle maintenant Mines Paris Tech. Aux États-Unis, la bibliothèque de Athens County ou Nelsonville dans l'Ohio, donc bibliothèque de lecteur public. Et ces bibliothèques-là avaient une problématique, enfin, ont vite rencontré une problématique qui était, nous, on a plus de 100 000 notices dans notre fonds. Nelsonville, ils ont 300 000 et l'École des mines de Paris, 160 000, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, la recherche, quand on avait 300 000 notices bibliographiques dans le catalogue, la recherche était un peu longuette. Et dès qu'on voulait faire des choses un petit peu compliquées, ça devenait vraiment long. Donc, on s'est dit, ben, on continue, la route n'est pas finie, le logiciel, on a encore des choses à rajouter. Il faut qu'on passe à un nouveau moteur d'indexation pour faire les recherches dans le catalogue. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a choisi Zebra, qui est donc un logiciel libre, qui est un moteur d'indexation, qui à l'époque était un. On avait, pour ceux qui sont techniciens, à l'époque, on avait aussi fait des tests autour de Lucene.
Les performances étaient vraiment catastrophiques, donc on a laissé tomber Lucene et on a dit c'est Zebra qu'il nous faut parce que les performances étaient très correctes. Preuve que le logiciel commençait vraiment à intéresser du monde après ses premières années jusqu'à 2005, c'est qu'en 2006, on a organisé la première conférence internationale COA à Paris. Là encore, je me suis intéressé à COA un peu par hasard. Ben, la première COACON, je l'ai organisée un peu par hasard. C'est-à-dire que on avait des collègues américains qui devaient venir en Europe. Du coup, je leur ai dit, ben, tiens, si on se réunissait un peu quelques jours pour bosser ensemble, pour faire ce qu'on appelle un hackfest, donc une fête des développeurs où on se met ensemble, tous ensemble, et on travaille à développer des nouvelles fonctionnalités, ce sera plus simple et plus agréable que de faire ça, toi aux États-Unis, moi en France. J'en ai parlé à l'École des Mines de Paris, qui m'a dit « Ah, mais si les Américains viennent, il faut qu'on fasse une conférence ». Du coup, ils ont organisé une conférence à Paris, où il y avait 120 bibliothécaires, donc peut-être une centaine, là, c'est à peu près, hein, c'est un peu comme ça. Et le Hackfest, on l'a fait à Marseille, d'où je viens. Et en fait, on devait être 3-4 au début, et puis en fait, il y en a d'autres qui nous ont dit « Ah, mais moi, ça m'intéresse ». Et puis on s'est retrouvés, on était 15. Et donc c'est là qu'on a fait le gros travail sur le moteur d'indexation et puis plein d'autres choses. Voilà. C'est aussi à ce moment-là, alors ça c'est pour la petite histoire, c'est pas la grande histoire, mais c'est la petite histoire, on a changé de système de gestion de code source. On est passé d'un système qui est un peu l'ancêtre des gestions de code source, qui s'appelle CVS, à un système qui s'appelle Git. Je passe. Qui est plutôt informaticien dans l'assemblée? Levez la main. D'accord. Oui, donc je vais pas m'attarder. Je vais pas m'étendre très longtemps. Voilà. La gestion d'un code. Une des problématiques de développement d'un logiciel, d'ailleurs qu'il soit libre ou pas libre, c'est de garder une trace de tout ce qui est fait dans le logiciel. Et donc on a utilisé pendant des années un outil qui s'appelle CVS, qui permet de garder trace de un tel a fait ça dans le logiciel, il a changé tel fichier, il a fait telle modification, il a rajouté telle chose, etc. Et cet outil était bien quand on a commencé, mais il y a un outil vraiment génial qui est apparu depuis, qui s'appelle Git, et donc on est passé de CVS à Git. Et Git, j'adore, c'est vraiment un très très bon outil, vraiment. Et donc aujourd'hui, si vous me disiez « Ah, je voudrais bien qu'on installe un COA 1.0 », et bien en fait, on peut le faire, parce qu'on a tout l'historique du développement, on sait à quelle minute, à quelle seconde, qui a fait quoi dans le logiciel depuis le 1er janvier 2000. À ce moment-là, on a aussi changé les listes de discussion pour les passer sur list.coa.org. Nous, en France, on a fait le premier site non anglais sur coafr.org et on a commencé à proposer des outils. Je n'ai pas parlé, mais il y a le chat, donc l'IRC, où vous pouvez nous rejoindre 24 heures sur 24. Il y a toujours quelqu'un qui travaille sur Coa et qui est a priori réveillé. Et on a, voilà, on a un certain nombre d'outils, j'y reviens un petit peu plus tard d'ailleurs. Et donc, si vous regardez les dates, donc 30 décembre 2004 pour la version 2.2, et la version 3.0 a demandé plus de 3 ans et demi. D'accord ? Donc ça a été long. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. J'ai parlé au début, quand on l'a mis en chantier, qu'on voulait changer le moteur d'indexation, mais on a aussi changé l'installation, on a changé les méthodes de stockage des notices en interne, on s'est interfacé avec les annuaires LDAP. Donc là, les non-techniciens, peut-être que ce terme-là, ça ne vous parle pas du tout, mais ça, c'est typiquement le genre de choses qui est très importante pour intégrer Coa dans un système d'information plus général. D'accord ? Coa, ce n'est pas un outil dans son île déserte. C'est un outil qui est interfacé avec l'annuaire LDAP de l'université, de l'école, du laboratoire de recherche. Et ça veut dire qu'on s'authentifie dans Coa en tant qu'utilisateur. Mais l'authentification n'est pas faite par Coa, elle est faite par un annuaire général utilisé par toute l'université. Et donc ça, c'est vraiment typiquement le genre de fonctionnalité très importante pour l'adoption de Coa pour faire de Coa un outil professionnel, c'est typiquement le genre de chose qui est absolument nécessaire.
Dans la version 3.0, il y avait aussi plein de nouvelles fonctionnalités, par exemple la gestion du calendrier d'ouverture et de fermeture, pour que les dates de retour soient calculées en fonction des jours fériés, des jours fermés, etc., qu'on décale. On a rajouté ce qu'il fallait pour gérer des réservoirs de notices. Donc on récupère des notices d'un fournisseur, on les met dans un réservoir et ensuite on les bascule dans le catalogue. C'est là qu'on a intégré un mécanisme de gestion de requêtes SQL complet. Et puis plein d'autres petites choses que je liste pas ici. Et puis en 2008, on a commencé notre petite crise. Ou notre grosse crise. Peut-être certains d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler. Je vais peut-être donner quelques commentaires personnels, mais je vais surtout m'en tenir aux faits. En 2007, la société Libline, qui s'était donc lancée aux USA pour promouvoir Koa aux USA et faire, comme moi j'ai fait BibLibre après, faire des prestations de services autour de Koa et des logiciels libres en bibliothèque, la société Libline a racheté à Katipo son activité. Donc Katipo, c'est les Néo-Zélandais qui avaient commencé. Et en fait, dans le paquet de la mariée, dans le colis de la mariée, il y avait les trois développeurs de Katipo qui bossaient sur Koa, un peu ou beaucoup. Il y avait tous les clients de Katipo, parce que Katipo avait quand même déployé Koa dans une bonne vingtaine, trentaine de bibliothèques du bassin océanique. Nouvelle-Zélande et puis les îles Tonga, enfin, voilà, l'Australie un petit peu, etc. Et ils ont aussi racheté le nom de domaine koa.org. Quelques années, mois plus tard, la société PTFS des USA annonce sur les listes de discussion son intérêt pour Koa, en disant « Ouais, moi, ça m'intéresse vachement Koa, je vais m'investir dedans. » Ce qui est très bien. On n'a aucune raison de refuser ce genre de choses. Simplement, le patron de Libline à ce moment-là a commencé à crier au loup en disant « Attention, PTFS, c'est pas des gentils, ils vont pourrir notre projet, c'est pas bien, ça va pas, machin. » Il s'est passé quelque chose que je ne sais pas. Enfin, il n'y a pas un événement objectif qui fait que, on peut dire, il s'est passé ça. Mais il s'est passé des choses, et le résultat de ce qui s'est passé, après je ferai un petit commentaire personnel, mais il n'y a pas d'événement objectif mesurable, mais d'un seul coup, Libline s'est mis à ne plus partager tout ce qu'il faisait autour de Koa. Et un jour, pour la petite histoire, c'était le 11 septembre 2008, 11 septembre pour un Américain, c'était quand même une date un peu symboliquement. Bref, passons. Ils ont annoncé qu'ils lançaient Libline Enterprise Koha, qui était hébergé seulement. Le code source n'était plus disponible. Il était promis pour plus tard. Et nous, les gens, enfin le reste de la communauté Koha, on n'avait plus accès à koha.org et on n'avait plus accès aux différents outils. L'administration des listes de discussion, l'administration de Bugzilla, l'outil qui servait à suivre les bugs, les évolutions, les nouveautés, etc. Voilà. Tous ces accès-là nous ont été enlevés. Alors, une question que vous allez peut-être vous poser, c'est comment ça se fait qu'il a pu ne pas mettre le code source disponible. C'est juste qu'il y a une faille dans la licence GPL V2. Qui est qu'il ne distribuait pas son logiciel, il le proposait comme software as a service. Donc il ne le distribuait pas. Et donc c'est une faille qui a été validée par les avocats américains qui travaillent sur la licence GPL. Et donc ils ont sorti la GPL V3, qui elle ferme cette faille. Mais à l'époque où la GPL V2 a été inventée, la notion de software as a service, de cloud computing, etc., ça n'existait pas du tout. Donc ils n'avaient pas prévu, donc du coup il y avait une faille. Et donc ce que Libline a fait est parfaitement légal. Complètement pas moral, mais parfaitement légal. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Le reste de la communauté Koa. Parce que c'était vraiment Libline d'un côté et le reste de la communauté Koa de l'autre.
Il s'est avéré que la plupart des développeurs de LibLime qui avaient rejoint LibLime parce qu'ils étaient très intéressés, très fans du logiciel libre et ils voulaient développer un logiciel libre parce que ça apporte à la société. Enfin, il y a un côté moral, éthique qui motive les gens dans le développement de logiciels libres. Moi, j'adore développer du logiciel, mais ça a du sens de développer un logiciel libre au-delà de développer un logiciel. Donc la plupart des développeurs de LibLime ont démissionné. Et en janvier 2010, on a décidé de déménager, de prendre nos clics et nos claques de koa.org et de déménager sur koacommunity.org. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait encore un des développeurs de LibLime qui a démissionné pas longtemps après, mais il est encore à LibLime. Du coup, il a pu nous transmettre en sous-main tous les fichiers auxquels on n'avait plus accès. Comme ça, on a pu recréer notre écosystème ailleurs, sans avoir à tout recréer de zéro. D'accord ? Ah, pour la petite histoire, quelques mois plus tard, PTFS, donc la société, vous souvenez, dont LibLime nous a dit c'est des méchants, oulou, oulou, quelques mois plus tard, PTFS a racheté LibLime. En fait, ils ont annoncé qu'ils rachetaient LibLime, après ils ont annoncé, ah ben non, on rachète plus LibLime, et puis un jour, ils ont dit, ah, on a racheté LibLime. Bref. Je ne m'étends pas sur tout ce qui n'est pas des faits. L'important, c'est la situation aujourd'hui. Le LibLime de Koa est objectivement moribond. Et encore, je pourrais probablement dire mort. Parce que, par exemple, il n'y a eu aucune nouveauté, aucun commit depuis le mois de mai de l'année dernière. Comparer ça avec Koa, vous voyez, alors si on prend le mois de mai, il y a eu 196 commits, en juin 199, en juillet 113, en août 143, en septembre 151, en octobre 254, et en novembre, et on n'est que le 17 novembre, 73. Ça, c'est un tableau statistique qui est disponible pour tout le monde. Hein. D'accord ? Et si vous voyez le nombre de lignes qui sont changées, quand vous avez des très très gros trucs comme ça, c'est les traductions, ça. Hein, c'est pas forcément très très fiable. On n'a pas changé à la main 5 millions de lignes d'un seul coup. Hein. C'est juste qu'on a réintégré des traductions mises à jour. Voilà. Mais voilà, en 2015, on peut dire la communauté Koa est en pleine forme et le hold-up, entre guillemets, de LibLime a foiré. Dans les moteurs de recherche, aujourd'hui, selon là où vous êtes géographiquement, etc., si vous tapez Koa, ça y est, enfin, après quelques années, koacommunity.org apparaît devant koa.org. Parce que koa.org est toujours là. Hein. Si vous allez sur koa.org, vous pouvez télécharger Koa, etc. Mais sauf que c'est pas Koa, en fait. Koa, c'est celui qui est sur koacommunity.org. Quels sont les... Il me reste combien de temps, là ? Je suis bavard. Il me reste... J'ai encore du temps ? Il me reste quoi ? 25 minutes ? 20 minutes ? Une demi-heure. Très bien. Donc, qu'est-ce que... Moi, j'aime bien terminer ce petit épisode sur la crise en disant, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette crise ? On a prouvé, au travers de cette crise, que Koa est un logiciel qui ne peut pas être volé. Une question que se posent beaucoup de gens, enfin un argument que beaucoup de gens ont quand j'essaye de convaincre que Koa c'est bien, mangez-en, c'est « Ah oui, mais Koa c'est un logiciel libre, c'est pas pérenne ». Ben, en fait, c'est exactement le contraire. Un logiciel libre est beaucoup plus pérenne qu'un logiciel non libre. La preuve, c'est que quand quelqu'un essaye de le détourner, etc., eh ben, l'écosystème Koa a parfaitement résisté à ce pataquès. Ça va être un mot compliqué à traduire. C'est un mot un peu marseillais, ça. Ouais, pataquès, c'est bon, vous avez pu traduire. On a aussi prouvé que l'évolution d'un logiciel comme Koa, une fois qu'on a passé une taille critique, et on a passé cette taille critique, en fait, là, on l'a prouvé avec ces événements. Une fois qu'on a passé la taille critique, un logiciel comme quoi ne dépend plus du bon vouloir d'une société et d'un décideur. Moi, un de mes arguments commerciaux super importants quand j'essaye de convaincre une bibliothèque de choisir Koa et de choisir BibLibre, c'est, en plus, si vous choisissez Koa et BibLibre, si BibLibre meurt,
Ça ne changera rien du tout. Vous continuerez à utiliser Koa, vous choisirez juste un autre prestataire. Sinon, on met la clé sous la porte. Ou sinon, on décide d'arrêter Koa. Eh bien, vous irez prendre un autre prestataire. Ce n'est pas un souci. D'accord ? Et ça, un logiciel propriétaire, il ne peut pas vous proposer ça. J'imagine que vous avez dans l'une ou l'autre de vos structures l'expérience de Circe qui rachète Dynix et du coup Horizon 8 est arrêté. Et nous en France par exemple, on a récupéré une université comme ça, Lyon 3, qui avait fait un marché, qui avait choisi Horizon version 8. Et les gens de Circe Dynix au moment de la fusion ont dit finalement Horizon 8 on sort plus, bon on va vous mettre Horizon 7, c'est pas grave. Ben, le directeur, il a dit « Ah non, 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 moi j'ai signé pour 8, donc je dénonce le marché. Et puis puisque c'est comme ça, moi j'en ai marre d'être dépendant de la bonne volonté d'un éditeur. Je vais prendre du libre et comme ça, je me débrouille. » Et du coup, il est passé sous quoi ? C'est l'Université de Lyon 3. Il y a une problématique autour du mot « Koa » qui est le trademark, la marque de commerce. Le copyright, il est partagé entre tous les gens qui contribuent. Mais qui possède le trademark autour de Koa ? Moi, à l'époque, il y a donc longtemps, j'avais déposé le trademark pour l'Europe et je l'ai donné à HNT, donc une association NPO, Non-Profit Organization, donc association à but non lucratif. Libelheim l'a déposé aux États-Unis. Donc aujourd'hui, en théorie, c'est toujours Libelheim qui a le trademark Koa aux USA, sauf qu'ils ne l'ont jamais utilisé. Donc normalement, il ne sert plus leur trademark. Et en Nouvelle-Zélande, Libelheim a tenté d'aller déposer le trademark. Et du coup, les Néo-Zélandais, ils se sont défendus. Ils ont eu d'ailleurs des sponsors, enfin des mécènes, qui ont financé les avocats pour se bagarrer, entre guillemets, contre Libelheim, et le trademark a été refusé à Libelheim et accordé à HLT il y a 2 ans maintenant. Parce que c'est la justice néo-zélandaise est aussi longue que la justice française et probablement que la justice espagnole. Mais ça y est, le trademark pour l'Europe et pour la Nouvelle-Zélande est entre les mains d'une association à but non lucratif, donc on est sûr que c'est ce qu'on appelle un bien commun, le trademark, aujourd'hui. Aux États-Unis, en fait, il y a un trademark officiel, mais comme il n'a jamais été utilisé, a priori, il est plus valable. Bref, du coup, en 2010, on revient un peu à une situation normale. On a pris nos clics et nos claques. Toute la communauté Koa, à l'exception de Libelheim, a déménagé sur Koa Community. On s'est dit, bon, ben, il faut quand même qu'on reprenne notre rythme de développement. Il faut qu'on se remette au boulot, parce qu'on a perdu quand même beaucoup d'énergie à essayer de discuter, de comprendre, de faire changer les uns les autres d'avis, etc. etc. Et donc on a enfin publié Koa 3.2 le 22 octobre 2010. Et on s'est dit à ce moment-là quelque chose qui était... Il y a vraiment eu une bascule dans la professionnalisation du développement. Jusqu'à la version 3.2... notre cycle de publication était ce qu'on appelle « feature-based release », c'est-à-dire on dit qu'est-ce qu'on va mettre dans la prochaine version et on attend que ce soit prêt pour publier la version. Problème, c'est s'il y a quelque chose qui a été annoncé et qui n'est pas prêt, ben on va décaler, et puis combien de temps on va décaler la nouvelle version, on ne sait pas. Donc on s'est dit, il faut qu'on change de rythme et on passe de « feature-based release » à « time-based release ». Et donc on a dit... Maintenant, le logiciel Koa, il y aura une version tous les 6 mois. Au début, c'était avril-octobre, et puis après, c'est mai-novembre. Donc, tous les ans, autour du 20 mai et autour du 20 novembre, vous savez que vous avez une nouvelle version qui va arriver. Donc là, oui, la prochaine version, elle arrive dans 3 jours, on est d'accord. Par contre, ce que vous ne savez pas aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y aura dans la prochaine version qui est dans 6 mois. Bon, dans celle qui est après-demain, oui, vous le savez à peu près ce qu'il y a. Hein. Dieu merci, on sait quand même. Plus on se rapproche du moment où on publie la version, et plus on sait qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Mais on met dedans ce qui est prêt. Je vais revenir juste après sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est prêt. Et donc, on s'est mis à avoir ces versions-là tous les 6 mois. Ça veut dire quand même qu'on continue à avoir des versions stables qui sont maintenues. Je vais revenir aussi dans quelques minutes.
On dit qu'on intègre un développement une fois qu'il est prêt. Et qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Eh bien, on a mis en place un workflow de validation. Donc, un patch, c'est un bout de code dans l'application. Hein. Donc, on a mis en place un workflow de validation d'un patch qui explique comment on fait pour tester, valider quelque chose qui est soumis par quelqu'un et pour l'intégrer. Comment on fait pour l'intégrer dans le code. J'ai une diapo juste après pour ça. On a mis en place des réunions mensuelles sur le chat. Donc tous les mois, il y avait une réunion. Maintenant, tous les mois, il y en a deux. On a continué depuis un an et demi peut-être. Tous les mois, il y a deux réunions. Il y a une réunion générale où on se donne les nouvelles. Un tel va dire, tiens, il y a telle bibliothèque qui va passer à Koa. Un autre va dire, ah ben tiens, moi, en ce moment, je travaille là-dessus. La prochaine KoaCon, elle va être à tel endroit. Voilà, des informations générales. Et puis, il y a une réunion technique où on parle de... moi, je suis en train de travailler sur tel sujet, etc., etc. Et j'ai tel problème technique, comment on peut le résoudre? Excusez-moi. Et on a mis en place une équipe de contrôle qualité. Toujours retour à la normale. Il y a quelqu'un aux USA qui, en début 2009, a dit... donc c'était encore le moment où c'était un peu le bazar avec Liblime, mais il a dit, mais pourquoi il y a eu une conférence à Paris, et puis pourquoi il n'y en a pas eu d'autres après? Et on a dit, ben, t'as envie d'en faire une? Ben vas-y, fais-en une. Et du coup, on a inauguré le cycle des conférences COA tous les ans. Donc 2009, c'était à Plano, au Texas. 2010, à Wellington, en Nouvelle-Zélande. 2011, à Mumbai, en Inde. 2012, Edinburgh, au Royaume-Uni, 2013, Reno dans le Nevada, 2014 à Cordoba en Argentine, 2015 à Ibadan au Nigeria, et la prochaine aura lieu en mai ou juin en Grèce, à Thessalonique. Si vous regardez un peu, vous voyez, on tourne, hein, on fait le tour du monde, d'accord? Donc n'hésitez pas à prendre un billet pour aller à Thessalonique en Grèce quand la conférence sera annoncée, parce qu'elle ne reviendra pas tout de suite en Europe. On a déjà un candidat pour la KoaCon 2017, qui est la Bibliothèque nationale des Philippines. Ça fait 3 ans qu'ils candidatent. Les deux premières fois, ils ont été battus, parce que là, il y a plusieurs candidats, et là, il y a un vrai vote ouvert à tout le monde. Et donc, là, en 2015, c'est le Nigeria qui a gagné. En 2016, c'est la Grèce qui a gagné. Mais ils continuent à candidater. Donc la prochaine fois, quand même, moi, je vais voter pour eux, parce que quand même, il faut les encourager. Et puis, ça fait longtemps qu'on n'est pas dans l'Océanie. Voilà. Je vais passer rapidement sur ces diapos-là. Donc, 2011, en avril et en octobre, les versions 3.4, 3.6, vous voyez un certain nombre de changements. Au niveau d'une numérotation de version, vous voyez, c'est 3 points quelque chose, le quelque chose étant un nombre pair. Ça veut dire version stable. Si vous avez sur votre ordinateur et que vous allez dans le « à propos » de Koa sur l'interface Pro et que vous avez 3.19.02, eh ben, allez voir l'informaticien qui vous a mis ça, parce qu'il vous a mis une version qui n'est pas stable. Les numéros impairs après la virgule, c'est nos versions de travail jusqu'au jour où on dit ben voilà, ça y est, là elle est stable, on fait une version stable et hop, on passe à un numéro pair. Donc 3.4, 3.6, 3.8, 3.10, 3.12, 3.14, 3.16, 3.18, 3.20, 3.22. Donc 3, 4, 3, 6, 3, 8, 3, 10. Je passe un peu vite, hein, parce que le temps passe d'abord. Et puis, je vais dire en quelques mots, de toute façon, on arrive aujourd'hui à une application qui est fonctionnellement vraiment très complète. Et c'est, vous voyez, là, j'ai même carrément sauté 2014-2015, version 3.16, 3.18, 3.20, 3.22. Pour dire que Koa est vraiment un SIGB qui est fonctionnellement très complet. Il manque, pour le travail quotidien de toutes les bibliothèques, il manque quasiment rien dans Koa. Il y a quelques petits manques dont je vais parler dans la prochaine diapo, ou un peu plus loin. Juste pour vous faire un petit tableau, en France, par exemple, c'est utilisé dans plus d'une dizaine d'universités. Alors, l'université dans son ensemble, d'accord ? En France, c'est ce qu'on appelle le SCD, le service commun de documentation de l'université. Donc on peut citer Aix-Marseille, où il y a plus d'un million de documents, Lyon 3, Paris Sud, Paris 8, j'ai pas pensé, j'aurais dû l'écrire, la BULAC, qui est la Bibliothèque des langues et civilisations.
La Bulac, elle est importante, d'abord parce qu'ils ont plus d'un million de documents, mais aussi, surtout parce que c'est une bibliothèque de langues, donc ils ont des livres dans toutes les langues. Donc si Koa est utilisable à la Bulac, on peut dire, avec un degré de certitude très élevé, que Koa est vraiment bien compatible Unicode. Ça, c'est souvent une question qu'on a, c'est oui, mais est-ce que Koa, ça marche avec l'Unicode? Parce que moi, j'ai un fonds en chinois. Ah bah oui, je veux dire, si la Bulac, ça lui va, ça va à tout le monde. Hein. C'est aussi utilisé dans de grandes bibliothèques municipales. Par exemple, toutes les bibliothèques municipales de Turquie, ça fait plus d'un millier, utilisent Koa. Toutes les bibliothèques municipales d'Argentine, c'est-à-dire 1054, si je me souviens bien du chiffre exact, toutes les bibliothèques municipales d'Argentine utilisent ou vont utiliser Koa. C'est-à-dire, elles ne sont pas toutes encore déployées, mais il y a le ministère de la Culture en Argentine a choisi Koa et déploie Koa dans toutes les bibliothèques municipales, des petites et des grandes. En France, Koa est utilisé dans des villes importantes comme Nîmes. Le nombre qui est là, c'est l'importance de la ville en France. Donc Nîmes, par exemple, c'est la 19e ville de France. Limoges, c'est la 26e ville de France. Vous voyez, c'est déjà des grosses bibliothèques. Montauban, Valence, Roubaix, ouais, je n'ai pas retrié, j'aurais pu trier un peu mieux. Et c'est aussi utilisé dans des grands réseaux de bibliothèques municipales, ou pas municipales, mais dans des grands réseaux de bibliothèques municipales qui travaillent beaucoup sur des mécanismes de transfert d'une bibliothèque à une autre. Par exemple, le SAN Ouest-Provence, donc, qui est une structure à côté de Marseille, ils font quasiment un tiers ou un quart de leur circulation de documents avec des changements d'un site à l'autre. Ils ont vraiment des navettes qui, deux fois par jour, font le tour de toutes les bibliothèques pour récupérer des livres, les emmener à l'autre bibliothèque. Et donc, une question qu'on a régulièrement, c'est oui, mais est-ce que Koa, ça marche bien dans des réseaux un peu compliqués? Ben oui, enfin, dans une structure comme le SAN, ils sont parfaitement contents de la simplicité d'utilisation de Koa et ils ont des règles très souples où un lecteur peut réserver un document de n'importe quelle bibliothèque, demander à ce qu'on le lui prête à n'importe quelle bibliothèque et le rendre à n'importe quelle bibliothèque, et le système, il gère parfaitement bien tout ça. OK? Il y a une quinzaine de jours, on a donc élu notre nouvelle équipe qui est là pour 6 mois. Ah, la photo, c'est dommage, elle n'est pas très. Elle donne pas aussi bien que sur mon écran. Donc, ce n'est pas l'équipe, hein. Ça, c'est tous les participants de la KoaCon à Cordoba, en Argentine. Donc, il y a une bonne partie des gens qui sont des développeurs de Koa, mais il n'y a pas tout le monde. Et il n'y a pas que des développeurs. Donc, on a Thomas, qui était le release manager depuis 3 versions. Thomas, il a fait 3 versions d'affilée. C'est le seul qui a fait 3 versions d'affilée jusqu'à présent. Il est argentin et donc il a été release manager pour 3.22, 3.20 et 3.18. Et là, il a dit, bah, c'est bon, ça va quoi. 3 versions, ça suffit. Et donc maintenant, le flambeau est repris par Brendan. Qui est un Américain qui est aussi le patron de Bywater Solutions, qui est notre équivalent aux États-Unis. Je vous disais tout à l'heure que le release maintainer, il est chargé de la maintenance des versions et des corrections de bugs sur des versions stables. On va maintenir là les trois précédentes versions, c'est-à-dire la 3.22 va être publiée là dans les jours qui viennent, et on aura un mainteneur pour la 3.22, un mainteneur pour la 3.20 et un mainteneur pour la 3.18. C'est quelqu'un de chez nous, Biblibre, qui fait la 3.18. C'est Fred de Tamil, une petite structure française qui est impliquée dans Koa aussi, qui est pour la 3.20. Et c'est Thomas qui est le release maintainer pour la 3.22. Donc il ne s'arrête pas complètement, il continue quand même un petit peu. Si on avait un candidat pour assurer la maintenance de la 3.16, eh ben, on aurait aussi une maintenance de la 3.16. D'accord? L'idée quand même, c'est qu'au bout d'un certain temps, les versions stables, elles sont vraiment stables, elles n'ont plus de bugs. Et puis, l'idée, c'est avec une version qui sort tous les 6 mois, vous, bibliothèque, je vous encourage à mettre à jour
Alors peut-être pas tous les 6 mois, parce que c'est quand même une mise à jour majeure. Techniquement, c'est pas très compliqué. Mais d'un point de vue fonctionnel, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui va changer. Il y a des nouveaux paramètres. Est-ce que j'ai des choses à changer dans mon paramétrage pour améliorer mon fonctionnement quotidien, etc. Nous, Biblibre, avec nos clients, ce que l'on fait, c'est on fait une mise à jour par an. Et donc on fait deux versions. Donc on a fait 3.14, là on va mettre tout le monde à jour en 3.18. Donc on a un peu de retard par rapport à la version communautaire, mais ça nous permet d'être sûr qu'on déploie chez l'essentiel de nos clients une version bien stable. D'accord? Et on a quelques clients qui sont toujours à la pointe. Donc là, on a quelques clients qui vont être en 3.22. C'est des clients qui ont envie d'avoir la toute dernière version. Ça nous permet de tester, de vérifier, de gérer la traduction en français, etc., que tout se passe bien. Et puis là, la grosse majorité de nos clients est en 3, va passer en 3.18, enfin, est passée en 3.18 à l'été dernier. Et on va sauter la 3.20 et on va passer à la 3.22. Et donc l'été prochain, tout le monde va passer en 3.22. Et on a quelques clients qui seront déjà en 3.22 là dans les semaines qui viennent. Donc on a un Transition Manager, un Packaging Manager. Packaging, c'est une fonction qui est apparue quelques temps après les premières fonctions. Ça, c'est plus pour les informaticiens, pour les techniciens. On propose des paquets Debian pour déployer Koa. Donc, si vous utilisez un serveur sous Debian, apt-get install Koa et c'est fini. J'exagère un petit peu, mais à peine. Un responsable du serveur d'intégration continue, je passe. Juste pour vous dire, en fait, on a un serveur qui, dès qu'il y a un changement qui est fait dans l'application, qui relance toute une batterie de tests, qui relance toute une batterie d'installations avec différentes configurations, différents types d'installations, etc. Et on a tout un tas de ce qu'on appelle des tests unitaires qui vérifient que tout se passe bien. Et le serveur d'intégration continue, il est en permanence en train de regarder est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de faire quelque chose sur le code. Et dès que quelqu'un fait quelque chose, hop, il relance toute sa batterie de tests. Et si quelque chose se passe mal, il envoie un mail à tous ceux à celui ou ceux qui viennent de faire des changements en disant tutut, avant ça marchait très bien, maintenant mon install, enfin maintenant ce test-là, il marche plus du tout. C'est quoi ce bins? D'accord? Et on a une équipe de contrôle qualité qui est composée de 6 personnes. Donc on a tout un tas de règles sur comment il faut qu'un bout de code soit écrit pour qu'il soit intégrable, intégré, accepté dans l'application. Oups, j'ai débranché. Non, non, c'est pas tout. Il me reste encore quoi? Il me reste encore 10 minutes, hein? Bon. Mais voilà, mais il va y avoir plus de temps pour les questions, voilà. Donc, en 2015, on a une organisation qui est des hommes et des outils. Alors, les outils, donc ça, c'est des termes un peu techniques. Donc, Git, c'est le système de gestion de code source. Git.coacommunity.org. Bugzilla, c'est là que vous allez soumettre des bugs. Lorsque vous croisez un bug dans le programme, vous allez le mettre là, disant, voilà, moi, j'essaye de faire ça, ma configuration, enfin, mon paramétrage, il est comme ci, comme ça, et quand je fais ça, je m'attends ici à ce que il se passe ça, et en fait, il ne se passe pas ça, et donc c'est un bug. Si vous voulez améliorer le logiciel, c'est aussi dans Bugzilla que vous allez le mettre, mais non pas comme bug, mais comme amélioration. Donc n'importe qui peut aller créer un compte sur Bugzilla et ouvrir un bug, enfin ouvrir un ticket, comme ça c'est le terme générique, ouvrir un ticket, que ce soit bug ou amélioration. Une fois que vous avez soumis votre ticket, il y a deux options. Enfin, il y a plusieurs options. La meilleure, c'est vous soumettez votre ticket et vous êtes capable de faire appel à quelqu'un qui va aussi fournir la solution avec. Alors, le quelqu'un, ça peut être vous-même, ça peut être un prestataire auprès de qui vous avez un contrat de maintenance. Oui. Vous-même ou un prestataire auprès de qui vous avez un contrat de maintenance.
Dans la plupart des cas, enfin dans tous les cas même, je pense, si vous avez un prestataire, en fait, c'est bien souvent, c'est le prestataire lui-même qui s'occupe de faire et le ticket et la solution au problème. Donc nous, dans Biblibre, notre pôle support, notre pôle maintenance, c'est 4 personnes. Et leur travail quotidien, c'est de répondre aux questions que nos clients nous posent en français. Et si ça correspond à un bug ou une amélioration qu'une bibliothèque veut financer, etc., eh bien on va faire le ticket dans Bugzilla et on va mettre la solution au problème posé dans Bugzilla et on fait rentrer le patch dans le circuit pour que ce soit intégré dans la version officielle. Jenkins, j'en ai parlé il y a 5 minutes, c'est notre logiciel d'intégration continue. Donc c'est le robot qui, chaque fois qu'on change quelque chose, va vérifier que tout est toujours bon. On a les listes de discussion, le chat. Voilà. Comment ça se passe lorsque... Donc ça, c'est des outils. Mais en fait, les outils, ça fait pas grand-chose s'il n'y a pas des gens à côté. Donc notre organisation, c'est aussi des hommes. Donc je vous ai dit qu'on a des rôles, des responsabilités qui sont de gens qui sont élus, donc le release manager, le release maintainer, l'équipe de contrôle qualité, etc. Comment ça se passe lorsque vous soumettez un patch? Lorsque vous dites, voilà, j'ai croisé un bug, je veux le corriger de cette manière-là, ou je voudrais améliorer le logiciel dans cette direction-là. Ça se passe en 4 étapes. Alors, sur mon LibreOffice, ça c'est en arrière-plan, du coup on voit ce qui est marqué là, mais c'est pas très grave. Donc, première étape, un développeur va soumettre un patch. Donc, il va créer un ticket. Il va créer un ticket sur Bugzilla et il va soumettre un patch en disant, voilà, le problème posé, la solution que je propose, s'il vous plaît, je demande à ce que quelqu'un signe ce patch. C'est l'opération d'après. C'est signer un patch. Signer un patch, ça veut dire le tester et dire, ben voilà, ce patch, il prétend faire ceci, résoudre tel problème. Eh bien, moi, bibliothécaire, c'est un boulot de bibliothécaire, hein, tester. J'ai testé, j'ai vérifié et je suis d'accord. Je signe que le problème est bien résolu par ce patch. Éventuellement, j'ai regardé un peu autour et ça n'a pas cassé autre chose parce que c'est bien d'éviter de résoudre un problème A mais de casser un autre truc à côté. Une fois que le patch a été signé, donc tout ça correspond à des statuts dans Bugzilla. Le soumettre un patch, c'est le statut need sign-off, c'est-à-dire j'ai besoin d'une signature. Une fois que quelqu'un a signé le patch, le statut c'est signed-off, donc le patch a été signé. Et ensuite, il y a une personne de l'équipe de contrôle qualité qui va regarder le patch, mais alors pas du point de vue fonctionnel, mais du point de vue technique. Donc voilà, ce patch, il rajoute 250 lignes dans l'application. Est-ce que ces 250 lignes respectent ce qu'on appelle les coding guidelines, donc les règles de codage dans Koa? Est-ce que ce patch est correct? Et donc, est-ce qu'il s'intègre bien? Pour faire la comparaison de la langue, on a défini la langue dans laquelle on voulait parler, on a défini notre vocabulaire. Est-ce que ce patch, il respecte bien notre langue et notre vocabulaire commun? Est-ce qu'il introduit bien des tests unitaires s'il introduit des nouveautés? C'est une exigence. Lorsqu'on fait quelque chose de nouveau, lorsqu'on rajoute une fonctionnalité, on est obligé de fournir un test unitaire qui permet de vérifier que tout va bien. Est-ce qu'il respecte les règles? Enfin voilà, on a tout un tas de règles, de coding guidelines. Et donc l'équipe de contrôle qualité vérifie que ça respecte bien les coding guidelines. Si ça respecte pas, ou si le testeur il dit oh ben, votre truc il marche pas, ou alors ce que vous dites là ça marche, mais du coup vous avez cassé autre chose. Le testeur ou le contrôle qualité va mettre un statut failed pour dire échec. Donc recommencer, s'il te plaît, resoumets le truc. Parce que là, il y a un problème, là, il y a un problème, ça, c'est pas bon. Donc parfois, on a plusieurs itérations, parfois, on a beaucoup d'itérations. Si vous allez dans Bugzilla, il y en a peu, hein, mais il y a des tickets qui peuvent avoir 200 commentaires.
D'accord? Donc, vous voyez, c'est une discussion qui a duré longtemps. Il y a des tickets qui mettent des fois 2 ans. Parce que la personne qui a soumis un truc, finalement, ce n'était pas une urgence pour elle. Il y a eu des commentaires du testeur. La personne, 3 mois ou 4 mois après, se réveille et se dit « Ah bah, oh oui, j'ai eu un commentaire. Ah bah tiens, ok, je fais la correction. » Et puis voilà, le ticket, il va vivre pendant 2 ans comme ça. Il va mettre 2 ans avant d'être intégré. Dans la version 3.22, on a un développement que nous, BibLibre, on a soumis. Excusez-moi, encore avec le micro. On a un développement que nous, on a soumis. De mémoire, le numéro de ticket, c'est un truc genre 6870. Or, aujourd'hui, on en est à 15 000. D'accord ? Donc, c'est un vieux ticket. Mais si vous regardez, il y a eu 250 commentaires dessus. Voilà. Et des commentaires légitimes. Voilà, c'est juste pris du temps. Mais en général, ça finit par aboutir. Bon, après, il faut accepter que ce soit long des fois. Mais c'est la règle du jeu d'un travail communautaire. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est une devise que j'emploie assez régulièrement. C'est « Tout seul, on va vite. Ensemble, on va loin. » D'accord ? Ensemble, on va plus loin, en fait. C'est juste on va peut-être un peu moins vite. Mais c'est pareil, quand on veut faire une randonnée, quand on a un groupe de 2, on marche plus vite que quand on a un groupe de 30 ou de 200. Bon, pour en revenir à notre circuit, donc après le contrôle qualité, le final cut, donc la décision finale, revient au release manager. Donc le release manager a une responsabilité vraiment super importante. Le release manager a la responsabilité de ce qu'on appelle pousser le patch, c'est-à-dire intégrer le patch dans la version officielle. Et si, pour une raison ou pour une autre, il estime qu'il faut d'autres tests, ou que lui, il a détecté un problème que les autres n'ont pas détecté, eh bien, il a tout pouvoir. Et on ne conteste pas le release manager. Sous forme de boutade, des fois, on dit le release manager, c'est un benevolent dictator. D'accord ? Il n'est pas payé, mais il fait ce qu'il veut. Et puis, il est là que pour 6 mois, donc si on n'est pas content, on le fout dehors. Ça arrive, par exemple, régulièrement sur des fonctions qui sont un peu dans le noyau de l'application, par exemple, autour du mark. Il y a quelque chose qui rajoute une fonction ou une gestion du mark 21. Ben, le release manager, il va dire « Oh là, j'ai un petit doute pour Unimark, est-ce qu'on ne vient pas de casser quelque chose ?» Alors, est-ce que quelqu'un qui fait de l'Unimark peut vérifier ? Typiquement, c'est le genre de cas ou de situation où on va vouloir un autre œil. J'arrive sur le majeur, voilà, c'est très bien, j'arrive à la fin, il me reste 2 ou 3 diapos. Aujourd'hui et demain, donc c'est bon, on est aujourd'hui, là, je vais commencer à parler un peu plus de demain. On continue à renforcer la structure. Donc HLT, donc en Nouvelle-Zélande, est propriétaire du trademark de Koa. La communauté dans son ensemble a officiellement, entre guillemets, choisi HLT pour être le berceau de nos financements. Donc HLT a créé une commission COA qui est chargée de recueillir financièrement les financements que la communauté peut trouver et ensuite de les redistribuer sous l'autorité d'une commission communauté COA qui va dire, voilà, tel financement, on veut l'utiliser pour telle chose et on va le donner à tel développeur pour qu'il puisse travailler là-dessus. Une nouveauté qui n'a aussi que quelques mois, c'est que les 3 plus grosses sociétés impliquées dans COA, que sont BibLibre, Bywater et PTFS Europe, attention, PTFS, dont j'ai parlé en 2008, n'a rien à voir avec PTFS Europe. C'est le même nom, mais ce n'est pas du tout les mêmes boîtes. PTFS Europe sont très impliqués dans COA. Et le COA communautaire, le vrai. Et donc, depuis là, 4 mois, 5 mois, 6 mois, BibLibre, Bywater et PTFS Europe, on finance chacun à hauteur de 1/3 un développeur qui travaille à plein temps pour la communauté. Nous, les 3 boîtes, la PTFS, Bywater et BibLibre, on ne lui donne aucune consigne. C'est pas notre employé. Juste, lui, il nous dit, tous les mois, il nous fait un rapport de « voilà, le mois dernier, j'ai fait ça ». Le mois prochain, j'ai envie de bosser sur tel sujet, c'est important d'avancer sur tel sujet. Si on a des remarques, on peut lui faire. Mais il est vraiment au service de la communauté. Et si vous regardez les chiffres, il s'appelle Jonathan Druard, c'est un ancien salarié de BibLibre qui a donc quitté BibLibre pour être embauché par les 3. Pour être à son compte. Et
il est financé par les trois structures. Dans la prochaine version, de mémoire, il y a 450 patchs qu'il a soit signé, soit fait le contrôle qualité, soit produit. Donc c'est, il fait un boulot titanesque. C'est vraiment génial qu'on puisse avoir quelqu'un à plein temps dédié juste pour la communauté. Et on commence à voir des initiatives pour la recherche de financement, mais de gros financements. Si on regarde le code de Koa aujourd'hui et le code de Koa il y a 14 ans, il n'y a plus beaucoup de lignes qui sont communes entre maintenant et il y a 15 ans. Ce n'est pas du tout le même Koa, en fait. Si on était un éditeur commercial, on aurait même sûrement changé le nom pour dire « on vient de sortir un nouveau produit ». Nous, on fait de l'amélioration continue, des changements continus. Et donc, sur du long terme, les outils, le code de l'application n'est plus du tout le même sur une échelle de 10 ans. C'est absolument plus le même du tout, du tout. Par contre, on a quand même un certain empilage de code parce que je vous ai dit, il y a plus de 270 contributeurs à Koa. Et encore, je n'ai pas regardé depuis un petit moment, donc si ça se trouve, on a atteint les 300 maintenant. Le code, ça fait 15 ans qu'on rajoute du code, qu'on modifie du code. Donc il y a des choses qui ont bien besoin d'être nettoyées. Le problème que l'on rencontre, c'est que quand on demande à une bibliothèque « Ah, tiens, on voudrait intégrer, faire en sorte que Koa soit client OAI PMH », la bibliothèque, elle dit « Ah ouais, moi ça m'intéresse, ça m'intéresse ». Donc on va trouver des bibliothèques qui vont être prêtes à financer une fonction, une fonctionnalité nouvelle. C'est beaucoup plus dur de dire « Ah, on cherche des sous pour faire de la plomberie, ça ne changera rien pour votre vie quotidienne, par contre, ça va améliorer les performances générales de l'application, ça va rendre l'application plus facile à maintenir, etc. Ben, » quand on dit ça, les bibliothèques, elles nous disent « Ouais, c'est intéressant, mais bon, moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Alors, à la limite, je préfère financer un client OAI PMH dont je vois qu'il va me servir, que de financer un développement dont, ok, je comprends bien que ça sera utile, mais je ne le touche pas, l'utilité. » Donc, avec la collaboration avec HLT et puis certaines structures qui sont en train de commencer des recherches de financement au niveau de fondations internationales, au niveau de ministères. Je veux dire, il n'y a pas de raison que le ministère argentin de la culture... Enfin, il n'y a pas de raison. Enfin, il pourrait y avoir de très bonnes raisons pour que le ministère argentin de la culture dise « Ok, moi, j'ai déployé Koa dans 1000 bibliothèques municipales. Je vais mettre 300 000 euros, je dis un chiffre n'importe quoi, hein. Je vais mettre 300 000 euros, ou 3 millions d'euros, ou 30 millions d'euros, à disposition de la communauté Koa, pour que, eh ben, on fasse du travail de plomberie, etc., parce que ben, moi, ça va m'intéresser pour mes 1000 bibliothèques, si j'ai une appli plus performante, plus facile à maintenir. Moi, je maintiens 1000 bibliothèques municipales, moi, ministère de la Culture, ben, ça m'intéresse beaucoup de pouvoir avoir une application plus facile à maintenir. » Donc voilà, on est en train de rechercher des financements. C'est des choses qui prennent du temps. S'il y a le ministère de la Culture espagnol ou le ministère de l'Éducation espagnole dans la salle, voilà, j'espère que vous avez entendu le message. Oui, vous êtes là ? Oui. Voilà, mais c'est, ça, voilà, ça fait partie... C'est des choses qui sont en gestation. Ça va peut-être encore prendre longtemps avant d'aboutir. Ou bien on va trouver un mécène, qui sait, Bill Gates, pour peut-être nous donner 10 millions d'euros. On saurait quoi en faire. Hein. Le réseau des prestataires s'étend. Donc là, j'ai mis les prestataires contributeurs les plus importants. Enfin, les prestataires contributeurs vraiment importants dans l'écosystème Koa. Donc Catalyst en Nouvelle-Zélande, BibLibre nous en France, PTFS Europe au Royaume-Uni, Bywater aux États-Unis et TK en Argentine. En fait, il y en a beaucoup d'autres. Si vous allez sur le site koacommunity.org, dans le chapitre support, le support payant, vous avez la liste de toutes les sociétés qui se sont déclarées comme prestataires de services sur Koa. Moi, je prêche pour ma paroisse, mais oui, j'assume. moi, je vous encourage à choisir des prestataires qui contribuent à l'écosystème Koa. Le système, il est sain si on a des prestataires qui contribuent à l'écosystème. Il y avait deux sociétés espagnoles, est-ce que vous êtes là ? Qui, Ores et Mass Medios, voilà, vous êtes là. Donc, ils contribuent un peu. Pas beaucoup, mais un petit peu, de temps en temps. Quand je dis pas beaucoup,
C'est pas un reproche. L'important, c'est de contribuer et peut-être de contribuer à la hauteur de l'activité COA que ça génère. J'espère que certaines personnes ne vont pas voir ce que je suis en train de dire. En France, il y a trois systèmes, il y a trois sociétés qui proposent des prestations autour de COA. Il y a nous, qui sommes les plus gros bénéficiaires de l'écosystème COA et aussi les plus gros contributeurs. Il y a Tamil, qui est une toute petite structure où ils sont deux, et qui contribue à hauteur d'une toute petite structure où ils sont deux. Je disais tout à l'heure, Frédéric, il est release maintainer de COA 3.20. Ben voilà, c'est pas un énorme boulot d'être release maintainer, surtout d'une version qui a déjà 6 mois, mais c'est vachement important, c'est vertueux. D'accord ? Le système, il ne marche que si on donne à hauteur de ce qu'on reçoit. S'il n'y a que des gens qui prennent, eh ben, au bout d'un moment, le système, il n'avance plus. Et il y a une troisième société en France qui, elle, ne contribue absolument pas. Et lorsqu'on perd un contrat COA face à cette société-là, moi, je suis toujours en colère. En colère, j'exagère un petit peu, mais voilà. Quand on perd face à Tamil, je dis, bah, ok, très bien, tant mieux, Frédéric, ça te donne de l'activité du business. Et si tu as du business, eh ben, tu continues à contribuer. Et donc, en fait, même si moi, ça ne m'a pas donné du business, le système est vertueux. Alors que la troisième société, eh ben, elle ne contribue pas. Donc, quand eux, ils gagnent, eh ben, c'est tout perdu pour quoi ? C'est tout gagné pour eux, mais tout perdu pour quoi ? Ça doit être la dernière. Oui, c'est ça, c'est la dernière. Bon, et après ? Donc là, j'ai dit jusqu'à maintenant, mais j'ai commencé un peu à parler de demain. Là, cette diapo-là, elle parle plus de perspective, de prospective. Je dis des choses là, certaines sont très largement partagées par la communauté COA, d'autres, c'est plus mon dada personnel et mon fer de lance personnel, mais je vais essayer de dire ce qui est plus de moi et ce qui est partagé par la communauté. Quelque chose que je dis beaucoup depuis un an et demi, c'est il faut désintégrer le I du SIGB. C'est-à-dire proposer de plus en plus des web services qui permettent de piloter chaque module du SIGB. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des acquisitions dans votre université, si vous êtes dans une université, dans une bibliothèque, il n'y a pas de raison que vous utilisiez le système d'acquisition spécial de votre bibliothèque alors que votre université a un système d'acquisition, un logiciel de gestion d'achat. D'accord ? Si on a un logiciel de gestion d'achat qui peut communiquer par web service avec le SIGB plus I, mais quand même un peu, vous faites vos acquisitions dans le système d'achat de l'université et pof, on va directement rentrer les acquisitions dans le SIGB. Aujourd'hui, ça, c'est pas possible. Je vais pas prendre d'autres exemples parce que le temps passe. Et donc, on est rentré dans une phase où on rajoute, là je dis on, la communauté, hein, on rajoute massivement des web services dans un peu tous les modules de COA. Par exemple, là, on vient juste de recevoir un financement, nous, BibLibre, de l'université de Stockholm, qui finance la création de web services pour les amendes, les pénalités. Donc on va pouvoir piloter les pénalités avec un web service. Et donc on peut très bien imaginer, une fois qu'on aura fait ça, interfacer COA avec un système de paiement n'importe quoi. Vous direz à votre prestataire, à votre usager, « Ah, vous avez 25 euros de dette, allez les payer là, à la machine qui est là. » Et la machine qui est là, hop, elle enverra par un web service, enfin elle fera un appel à un web service COA, dit « Je viens de recevoir 25 euros pour telle personne, et COA saura que la personne a payé. » Et donc, moi personnellement, mais même communautairement, c'est très largement partagé, moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive à ce que tous les modules soient pilotés par web service. L'idéal, c'est que du coup, après, en interne, dans COA, on se pilote d'un module à un autre par web service aussi, qu'on utilise les web services pour le propre fonctionnement de COA. Bon, ça, c'est de la vision à très très long terme. Hein. Mais ça fait partie d'objectifs qu'on a et qui sont très largement partagés. Il y en a un que j'ai pas cité en premier, c'est le changement de moteur d'indexation. J'aurais dû le citer parce que c'est tellement évident. Zebra, un
et a atteint la fin de sa vie, là. C'est bon, il faut qu'il parte à la retraite. Donc on a choisi son successeur, mais changé le moteur d'indexation pour passer de Zebra à Elasticsearch, qui est le nouveau système qu'on a choisi. C'est un gros travail. Donc on a un financement qui a été versé. Alors vous allez être peut-être surpris, mais il y a un financement qui a été versé en partie pour ça, et en partie pour développer des web services. Et le financement, il a été fait par la société EBSCO. Figurez-vous que la société EBSCO, qui est pourtant pas du tout connue pour son esprit libriste et partageur, a financé à hauteur c'est un nombre à 6 chiffres, d'accord, en euros et en dollars aussi d'ailleurs. C'est un nombre à 6 chiffres, donc c'est important. Le développement de web services et l'intégration d'Elasticsearch. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est un intérêt bien compris. En fait, eux, dans leur outil EDS, ils sont contents de pouvoir faire appel à des web services pour que directement, depuis l'interface EDS, vous puissiez, lorsque EDS vous affiche une notice qui vient de Koa, que vous ayez un bouton « Réserver le document », que vous ayez un bouton « Voir la disponibilité du document », voir que vous ayez la disponibilité immédiatement. D'accord? Donc en fait, c'est... Je reviens à une des premières choses que j'ai dites. Si vous vous souvenez, au tout début, j'ai dit HLT, ils ont commencé quoi? Parce qu'ils avaient un problème à résoudre. Bah, EBSCO, c'est pareil. Ils avaient un problème à résoudre. Ils se sont dit, comment on peut le résoudre? Il y a la communauté qui est prête à faire ça. OK, nous, on finance. Comme ça, en plus, ils passent pour les good guys. Ils jouent les good guys, pour le coup. Vraiment. Et donc, ils ont financé ça. Pour le long terme, toujours... introduction d'un ORM et de PO. Alors, ORM, c'est pour... Aujourd'hui, Koa ne fonctionne qu'avec la base de données MySQL. Lorsqu'on aura fini le travail, et c'est du long terme, on pourra brancher Koa sur un système de base de données MySQL ou PostgreSQL, voire Oracle, voire MSSQL, etc. C'est un travail à très long terme. Ce ne sera pas en 2016. Hein. Et PO, c'est programmation orientée objet, c'est changer le paradigme, utiliser de nouveaux outils qui n'existaient pas à l'époque, de nouvelles manières de coder qui n'existaient pas à l'époque où Koa a démarré, mais qui aujourd'hui sont très largement répandues. Et c'est bien de changer la manière de coder l'application. Donc nettoyer le code, améliorer la maintenabilité, voilà, c'est ce que j'ai déjà dit. Il y a quelques grandes fonctionnalités qui manquent dans Koa. Alors il y en a une que j'ai pas mis là, que j'ai pas citée, mais parce qu'elle manque pas, c'est la découverte, Discovery Tool. En fait, ce n'est pas la vocation de Koa d'être un Discovery Tool. D'accord ? Par contre, on peut interfacer Koa avec un Discovery Tool existant. Il n'y a pas d'outil de découverte vraiment avancé en licence libre. Nous, on a cherché BibLibre, hein, donc cherchez aussi si vous voulez, mais il n'y en a pas. Je suis assez ferme. Et en fait, EBSCO, toujours eux, ils ont développé un module, enfin, ils ont développé du code dans Koa, qui est sous licence libre, comme Koa, etc., qui permet de transformer l'opaque de Koa en outil de découverte qui s'appuie sur EDS. Donc comment ça marche? Vous avez votre base Koa, on va verser dans EDS, vous allez verser dans EDS votre base Koa et ça va être mis à jour toutes les nuits, d'accord? Et dans l'opaque de Koa, soit vous interrogez le catalogue, juste votre catalogue Koa, soit vous interrogez EDS et dans ce cas-là, vous avez les réponses EDS. Et l'intégration est parfaitement bien faite. Donc vous pouvez mettre des notices dans les paniers, vous pouvez lancer la réservation de documents, vous pouvez sauter sur le texte primaire quand c'est un texte en ligne, etc., etc. Donc c'est fort bien fait. Donc la découverte, aujourd'hui, avec IDS, on peut la faire. Avec d'autres outils, on pourrait, mais pour l'instant, ça n'a pas été fait. Le prêt entre bibliothèques, donc ça, c'est quelque chose qui manque et c'est en cours. Les deux derniers points, ça c'est là je parle plus en mon nom propre qu'au nom de la communauté Koa. Autant jusque là c'était surtout, tout ce que j'ai dit était largement partagé par la communauté. Autant là, moi j'espère entraîner la communauté dans cette direction-là, mais pour l'instant c'est moi qui porte cette question-là.
La gestion des périodiques électroniques, des abonnements aux ressources électroniques des bibliothèques de type universitaire. Donc il existe un logiciel libre qui s'appelle Coral. Et moi, je pense vraiment que ça ne vaut pas le coup de développer un module de gestion des abonnements suivi des licences, suivi des coûts d'accès, tout ce qui touche au résolveur de liens, etc., Link Resolver. Ça ne vaut pas le coup de lancer ça, enfin de se lancer dans un tel chantier au sein de Koa. Il vaut mieux utiliser un outil qui existe déjà, Coral, et interfacer Koa et Coral. Et enfin, le PNB, donc c'est prêt numérique en bibliothèque. Il y a des bibliothèques municipales parmi vous ? Vous levez la main ? Oh, une ! C'est tout ? Il n'y a qu'une bibliothèque municipale. Bon, bienvenue. j'imagine qu'en Espagne, vous avez le même phénomène que nous, on a en France et puis dans la plupart des autres pays. C'est le prêt d'e-book et le prêt de documents numériques via des plateformes. Nous, en France, il y a une plateforme qui est en train de se développer très largement, qui s'appelle Dilicom, qui ambitionne de proposer, qui ambitionne d'être l'interface entre les éditeurs propriétaires des ressources et les bibliothèques et les systèmes de bibliothèques. D'accord. Et donc, il n'y a pas de PNB dans Koa. Et nous, on est en train d'intégrer le PNB dans Bokeh, qui est le portail qu'on propose, parce que ça nous semble être plus pertinent de le mettre directement dans le portail que dans l'opaque. Voilà. Bon, mais ça, là, encore une fois, c'est vraiment un choix personnel. Peut-être que la communauté Koa décidera autre chose un jour. Le doute que j'ai, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le PNB, il n'y a pas du tout de standard international. C'est en gros, chaque pays, voire chaque éditeur ou chaque plateforme fait sa propre sauce. Donc à mon avis, tant qu'il n'y aura pas un grand standard international, il n'y a pas de raison de faire ça à un niveau international. Donc nous, au niveau français, on fait ça dans Bokeh, mais c'est interface de PNB avec Dilicom, le prestataire français qui est en train de rafler le marché sur cette question-là du prêt numérique. D'accord ? Voilà. Il me restait une minute, c'est ça ? Ou je suis en retard d'une minute ? Donc j'ai terminé, c'est ma dernière diapo. Voilà, je termine avec une vue globale de l'avenir. Il y a encore plein de choses. Et l'intérêt d'un écosystème comme l'écosystème d'un logiciel libre, c'est que là, moi je vous fais part de ma vision, mais je serais certainement surpris, parce qu'il se peut très bien que moi je vous dis... les abonnements électroniques, il faut l'intégrer dans Coral. Mais si ça se trouve, dans 3 mois, il y a quelqu'un d'autre dans l'écosystème qui va dire « Ah, mais non, pour moi, il faut faire ça dans Koa. D'ailleurs, je m'en occupe, je vais le faire. » Moi, si quelqu'un arrive et dit « Je m'en occupe, je vais le faire », je ne vais pas lui dire non. Je vais lui dire « Vas-y, avance ta proposition, avance ton développement. Et puis, c'est peut-être, si tu veux le faire, fais-le, quoi. Enfin, moi, je ne vais pas être contre. » Voilà. Y a-t-il des questions ? Merci beaucoup. Moi personnellement, je pense que ça a été fantastique. On a beaucoup appris aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ez dakit, galderari dauden. No sé si tenéis preguntas. 5 minutitos. Te paso el micro. Hola, yo soy Maribel de la Pontificia de Salamanca. Ah oui, oui, c'est sûr que... Gracias, Paul. Y en primer lugar, bueno, simplemente bueno, muy interesante tu presentación. Hacerte una consulta sobre el tema de EBSCO. ¿Puedes aclararlo un poquito más? Yo tenía entendido, igual es que no me he enterado bien, que habían apostado también por el tema del Elasticsearch, del motor de búsqueda, apoyar, financiar ese tipo del posible cambio en Koha del motor de búsqueda. No sé si estoy mal informada o no sé. O simplemente es el... Gracias. Alors, une partie... Enfin... EBSCO a mis de l'argent sur la table, a dit « moi je finance les web services et Elasticsearch ». En fait, Elasticsearch, c'est vraiment
Non, je finis mes phrases, excusez-moi. EBSCO, excusez-moi les traducteurs, c'est horrible de suivre quand je finis pas mes phrases. EBSCO a dit, je finance les web services et Elasticsearch, je m'étends sur la table. Maintenant, on n'est pas sûr que l'argent que EBSCO a mis va suffire à intégrer Elasticsearch. En fait, quand ils ont dit nous, on est prêt à financer les web services, les gens, c'est des Italiens, c'est un écosystème international, donc c'est des Italiens qui ont piloté ça avec EBSCO Europe et qui du coup a fait remonter à EBSCO Monde et voilà. Et les Italiens, ils ont dit « Ah ouais, mais nous, on est super contents que vous financiez les web services, mais il y a un autre truc super important, c'est Elasticsearch. » Et EBSCO a dit « Bon, Elasticsearch, ça ne m'intéresse pas spécialement, mais si vous voulez, allez, je donne de l'argent et les web services plus Elasticsearch. » Donc là, ils font vraiment ça gratuitement, Elasticsearch, parce que eux, ça ne leur rapporte rien. Pour le coup, eux, ce qui les intéresse, c'est les web services, puisqu'ils vont les utiliser. Et donc, est-ce que ce qu'ils ont donné, ça va suffire à intégrer complètement Elasticsearch ou pas? J'en sais rien. Donc, s'il y a des gens qui sont prêts à rajouter encore un peu. De toute façon, via HLT, vous êtes sûr que l'argent sera bien dépensé. C'est-à-dire, une des choses qu'il faut encore qu'on affine, mais on y travaille au niveau communauté CoA, c'est... lorsque quelqu'un donnera de l'argent à HLT, dans quelle mesure l'argent donné pourra être fléché, c'est-à-dire pourra être donné pour un sujet. Ce qu'on veut, c'est que l'argent il soit donné, soit il est donné, utilisez-le au mieux, c'est la communauté CoA qui décide comment cet argent va être utilisé, soit l'exprimer en termes généraux, d'accord ? Donc typiquement dire, voilà, je vous donne 1 million d'euros pour intégrer un nouveau moteur d'indexation comme Elasticsearch, ça c'est général. Ce qu'on ne veut pas, c'est que quelqu'un aille financer en disant, je finance que sur tel écran, à tel endroit, il y ait tel bouton. Vous voyez, quelque chose qui soit très très contraignant. D'accord ? Donc s'il y a d'autres structures qui veulent continuer à financer l'intégration d'un nouveau moteur d'indexation, ben, elles sont bienvenues. Je ne sais pas aujourd'hui si on a assez d'argent pour aller au bout avec ce qu'EBSCO nous a donné. Merci. Et personne ne le sait. Enfin, c'est pas que moi. C'est... Merci beaucoup. No sé si hay como mucho una pregunta más y si no hacemos el descanso para tomar un café y volvemos a las 12:15. No sé si hay alguna pregunta más. Pues muchas gracias a todos y nos vemos otra vez a las 12:15. Es que recasco.